Good morgen, allez, Yiden, les tutoires aujourd'hui, les Loïn Ishmat, Nissim Ben Aguda, Sarah Batrana Rachel, ainsi que les Rufouat Arikeva Ben Shachar, Shlomo Ben Esther, Rufel Zulun Ben Chiamalia, Elat Slachat, Daniel Ben Esther. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la Sécurité éternelle. Nous étudions Maserhet Avot, Peregvav, Mishnah Gimel. Halomed Mechavero Perek Echad, O Alacha Echad, O Pasuk Echad, O Dibur Echad, O Afilu Ot Achat, Tzarich Linhog Bo Kavod. שכן מצינו בדוד מלך ישראל שלא למח שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד קראו רבו אלופו ומיודעו שנאמר ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי ועלו דברים קל וחומר ומה דוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד קראו רבו אלוף ומיודעו הלומד מחברו פרק אחד, הוא הלכה אחת, הוא פסוק אחד, הוא דיבור אחד, הוא אפילו עוד אחת, על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד, ואין כבוד אל התורה, שנאמר כבוד חכמים ינחלו, ותמימים ינחלו טוב, ואין טוב אל התורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. למשנה נורא נסני, הלומד מחברו, celui qui apprend de son ami, פרק אחד, un chapitre, que ce soit un chapitre de Mishnah, un chapitre de Torah, ou הלכה אחת, ou bien même, une seule halakha même, une seule séquence. Au pasuk echad, un seul pasuk, c'est un peu moins encore même. Au dibur echad, ou même un seul mot de Torah important, une halakha, je ne sais pas, un dibur de Torah. Une parole de Torah. Au afilo otachat, ou même c'est celui qui enseigne, qui apprend de son ami, même une seule lettre. Il formait mal une lettre, par exemple, il lui a pris, tu sais, dans le aleph, c'est une sorte de vave avec un yud en haut et un yud en bas. Il l'a appris, donc il a appris une lettre. Chez Tsarich Linhog Bokavod. Alors, il a le devoir de le respecter, de le vénérer, de le respecter en tout cas, de lui donner, de lui reconnaître cette bonté qu'il lui a fait de lui apprendre un mot de Torah et le respecter. Chez Ken Matzino Bedavid Melech Israël, car on a trouvé cette conduite chez David Melech Israël, chez David le roi d'Israël. Chez Lolaman Machitofel, Ela Shnei Dvarim Bilvad. Il y avait, à l'époque, David a souffert de deux hommes. Un qui s'appelait Doeg, Adomi, et l'autre c'était Achitophel. Achitophel, c'est quelqu'un qui a poussé Avshalom, le fils de David, à se rebeller contre son père et à lui voler le royaume, à cause de ça, la royauté. Et à cause de ça, David a dû être exilé, il y a eu plusieurs morts, plusieurs affrontements. Ça, c'était Achitophel, un homme rachat. Et pourtant, il a appris deux choses à Achitophel, à David Amelech. Et David HaMelech, du coup, il lui a donné du kavod, il lui a donné de l'importance. Mais réellement, comment est-ce qu'on voit ça? Regardez, « Shalolama d'Achim Achitophel » car il n'a appris d'Achitophel que deux choses. Comme expliqué après, d'abord on finit la petite séquence. Juste deux halakhot il lui a appris. Et du coup, David HaMelech, lorsqu'il l'a mentionné dans un Tehilim, où justement il reprochait à Achitophel de l'avoir trahi, en tout cas, regardez comment il l'appelle avec « Krao Rabo » Aloufo ou Miudao. Lorsqu'il parle de lui, David Amelech, dans le Tehilim qu'il le mentionne, il ne le mentionne pas par son prénom, mais il le mentionne en lui disant qu'il était Rabo, son maître, Aloufo, son tuteur, ou Miudao. Alors Miudao, c'est un homme de grande renommée. D'accord. Je ne sais pas comment ça se traduit en français, je ne sais pas s'il y a un mot pareil, pour expliquer quelqu'un qui est très important, qu'il était d'une très grande importance, un VIP quelque part. D'accord. Et comme le pasouk nous dit, chez Nehemar, comme le pasouk dit, donc le verset dans lequel David HaMelech reproche la conduite à son ennemi, mais là-bas il y a marqué « Vata enosh ke'erki alufi umiodai ». Il dit à Achitophel, « Et toi, Achitophel, tu es un être humain ke'erki, comme moi, mais que tu étais aussi alufi umiodai, celui qui m'a enseigné et celui qui m'a fait découvrir la Torah. » Qu'est-ce qui t'a fait ça au final? Il t'a fait juste deux petites halakhot, il t'a pris deux halakhot. Quels sont ces deux halakhot? Le Baal Tanoura les rapporte. Une fois, David HaMelech était assis en train d'étudier tout seul. Achitophel est venu et lui dit, mais il ne faut pas étudier seul. Il faut étudier dans un Bédamarach en présence d'autres personnes. Il y a un grand intérêt. Car le pasouk nous dit, Kherav el abadim no'alu ve no'alu. Il y a un pasouk, une grâce et une grâce dans la côte, en fait, qui nous apprend qu'un homme qui étudie la Torah tout seul, sans se concerter avec les autres, sans parler avec les autres, qu'il sache qu'au final, il va devenir bête. Il ne va plus pouvoir percevoir la profondeur, il ne va plus pouvoir
remettre en cause ce qu'il a appris. Il faut nécessairement partager son étude. Ça, c'est une halakha qu'il a appris à Achitophel. La deuxième halakha qu'il a appris à Achitophel, c'était qu'une fois David Amelach est entré au Beth Amidrash, et autant qu'il pouvait marcher droit dans la rue, il entrait droit dans la rue. Et la prêtre lui a dit, mais non, il faut venir entrer au Beth Amidrash avec la tête courbée, avec un peu avec modestie, avec achna'a. Voilà les deux halakhot qu'Achitophel a appris à Avimelech. Et même si c'est devenu son ennemi ensuite, il a fait beaucoup de mal. Malgré tout, David Amelech a continué à le respecter, à lui donner des titres très importants parce qu'il lui a appris deux choses. Et alors là, du coup, on va à l'Odvarim Kalvachomer. Du coup, la halakha est un Kalvachomer, une déduction par a fortiori. Regardez, Oma David Melech Israël, si déjà David le roi d'Israël, qui est un très grand Talmid Chacham, qui était le grand maître de la Torah aussi à son époque. Et Shelolamad Ma'achitofel et la Shnei Dvarim Bilvad, qui n'a appris d'Achitofel que deux choses uniquement, les deux halakhot qu'on a citées. Et malgré tout, Kerao Rabo ou Laloufo ou Miudao. Et du coup, il l'a appelé David Amelech, il a qualifié Achitofel d'être son Rabo, son maître, Aloufo, celui qui l'enseigne, Miudao, celui qui l'a. Ouais, je ne sais pas comment ça se traduit, quoi, un homme de grande renommée. Et de ce fait, si déjà David Amelech, donc qui est un très grand roi, et lui il a pris juste deux petites halakhot, Achitophel, et malgré tout il lui a donné tellement d'honneur, il a écrit comme ça son nom en lui donnant des vrais titres. S'il a écrit dans les Tehillim, c'est que réellement il pensait qu'il le voyait comme ça, qu'il l'a aidé à se rapprocher du Olam Haba justement. Puisque plus on se veut parfait, plus on mérite, plus on se rapproche de la volonté d'Hachem. Et de ce fait, chaque petit détail il est très important, parce que chaque petit détail il a une valeur incommensurable. D'accord ? Donc, et malgré tout, donc, pour deux petites halakhot, il a déjà appelé Rabo Aloufo Miudao. Alors nous, Alomed Mechavero Perek Echad, de ce fait, celui qui va prendre de son ami un Perek, un seul chapitre, ou même Alachachat, un seul Saïf, une seule petit paragraphe, pas un chapitre, ou Pasuk Echad, ou même si c'est un seul verset, ou Dibur Echad, ou même une seule parole, ou Afilu Otachat, ou même s'il va prendre une seule lettre, Alachat Kama Vekama Shesech Linog Bokavod. Combien plus forte raison il devra lui donner de l'honneur. Il y a une question bien connue, qu'il y a un petit problème dans ce qu'elle va remettre. Lorsqu'on fait une déduction par a fortiori, alors il faut donner au comparé ce qu'il y avait dans le comparant. C'est-à-dire, si déjà le petit homme peut lever 10 kilos, alors le grand homme pourra lui aussi lever 10 kilos. Alors là, c'est un qu'elle va remettre logique. Mais je ne vais pas commencer à dire, si déjà le petit peut lever 10 kilos, alors le grand pourra lever aussi 20 kilos, même s'il pèse deux fois plus lourd et même s'il est deux fois plus grand. Qui a dit qu'il y a une proportionnalité dans ce sens? De ce principe, alors on a un problème. David Amelech, il a pris deux halakhot de Achitophel. Et nous, on vient, on apprend. Si déjà David Amelech Israël, il a pris deux Achitophel, ces deux halakhot, il a déjà donné tellement d'honneur. Alors nous, lorsqu'on va prendre de son ami, à plus forte raison qu'il faudra lui donner de l'importance, même s'il a pris une seule lettre. Le Kalvachomer n'est plus exact. Il fallait lui dire s'il a pris deux halakhot de la source. Sur ça, la réponse qu'on rapporte en général, c'est qu'Achitophel était un rachat. Et si c'est un rachat, David Amelech ne devait pas du tout lui donner de l'honneur. Et si malgré sa riche out, qu'il a fait tellement de marloquettes et de discordes dans l'âme Israël avec des guerres civiles, tellement de morts, et que malgré tout, David Amelech, quand il le mentionne, il est obligé de lui donner un titre distinctif parce qu'il lui a appris de halakhot, alors de là, je déduis qu'apprendre la Torah, ça vaut tout. Et donc même si je me trouve avec quelqu'un qui n'a pas du tout fauté envers moi, mais qui m'a pris une seule chose, alors il y aura effectivement le Kalvachomer que je devrais lui compter le donner du kavod et de l'importance. Ensuite, alors là, la fin de la Mishnah a un petit problème, on a du mal à comprendre comment ça se rattache. Regardez, on va d'abord le traduire littéralement. Ven kavod et la Torah, il n'y a d'honneur que la Torah, comme le pasuk nous dit, kavod chachamim in chalou, le pasuk nous enseigne que les honneurs, l'honneur, eh ben les chachamim, les sages, l'hériteront au monde futur apparemment. Et un autre pasuk nous dit encore, utmimim in chalou tov. Et les hommes intègres hériteront le bien. Il n'y a de bien que la Torah, chez Neymar, qui est le Kartov, Natati Lachem, Torati Altazo. Comme le pasuk nous dit, car je vous ai donné une bonne part, alors de ce fait, ne laissez pas ma Torah. Soit la Torah, elle est comparée au mot Tov. Il y a un petit problème, on a du mal à comprendre. On a apporté 12. De quoi on parlait d'abord? On parlait de l'importance de respecter toute personne qui m'a enseigné de la Torah, premièrement. Et puis, ensuite. Lui donner du kavod, et on vient rapporter un pasuk qui nous dit en kavod à la Torah. Il n'y a d'honneur que la Torah, on a du mal à comprendre le rapport. Et après, on continue en te disant et en tov et la Torah, il n'y a de bien que la Torah. Quel rapport? Comment ça s'enchaîne?
Alors le Tiferet Israël donne un pshat très bien, en nous disant, bah, c'est très simple, même le Bartenor apparemment, il va dans le même, c'est Rashi plutôt, qui va dans le même sens, que lorsque la Mishnah nous dit, En kavod et la Torah, il n'y a d'honneur que la Torah, il faut rajouter le petit mot, la Torah, comme ce qu'il nous dit le Rashi, Klomar et la Torah, il n'y a d'honneur que pour la Torah, c'est-à-dire, le pasouk, en fait, ça se rattache en ça. On appelait l'importance de respecter celui qui m'enseignait la Torah. Et le pasouk, la Mishnah maintenant vient m'enseigne. Ben, sache que l'honneur ne revient qu'à celui que pour la Torah. Pas pour celui qui a un beau titre de quoi que ce soit, d'un beau titre distinctif de ses études, de sa profession, de peu importe. Ça, c'est pas le vrai honneur. L'honneur, tu dois l'attribuer à celui qui est, et là, la Torah, à celui qui possède la Torah tout d'abord. D'accord ? Donc, El Kavod et la Torah, il n'y a d'honneur que pour celui à qui possède la Torah. Shenehemar, comme nous dit le verset, Kavod, Chachamim, Chalou. L'honneur, les sages l'hériteront. Le vrai honneur au monde futur, eh ben, il reviendra que aux sages et aux sages de tout celui qui s'est donné à l'étude de la Torah. Et le pasouk, un autre pasouk nous dit encore, Utmimim, Chalou, Tov. Donc, pour le moment, on a déduit que on ne fait des honneurs qu'à celui qui est en rapport avec la Torah. On n'a pas encore appris de là celui qui m'a enseigné la Torah. Sur ça, j'ai besoin de rapporter le deuxième pasouk maintenant. Utmimim in chalou tov. Et les hommes intègres hériteront le bien. De qui les hériteront le bien? Cette fois-ci, ça se rapporte aux hommes intègres qui étudieront de leur maître. Et comment est-ce qu'on qualifie ce que ces maîtres lui ont enseigné? On le qualifie de tov, de bien, qui lui ont fait hériter du bien. Alors de ce fait, puisque eux, Ve'en Tov est la Torah, et lorsqu'il y a marqué qu'ils lui ont fait hériter du bien, alors le mot Tov se rapporte forcément à la Torah. Chez les marques, on nous dit le pasouk, qu'il est carton, atatilachem, Torah, tiradazou, je vous ai donné une bonne part, Hachem nous a donné un beau chélek, alors ne délaissez pas sa Torah. En tout cas, on apprend que le mot Tov se rapporte à la Torah. Or, si toi maintenant, quand on récapitule les deux vers ensemble, il ressort que on ne donne des honneurs que en rapport avec la Torah, et celui qui reçoit la Torah de ses maîtres, alors ça s'appelle que ses maîtres lui ont attribué un tov, le tov. Puisque maintenant, il faut donner des honneurs à celui qui possède la Torah, alors a fortiori, il faudra aussi donner des honneurs à celui qui lui a donné la possibilité de connaître la Torah, celui qui lui a enseigné la Torah, et de là, on déduit, comme ça c'est expliqué, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, comme ça on déduit qu'il ne faut qu'on donne des honneurs à celui qui lui a enseigné la Torah. Il doit honorer et le voir comme quelqu'un qui lui a appris quelque chose de vital, qu'il s'est retrouvé comme s'il s'était retrouvé à un moment sans oxygène, en train de mourir, et quelqu'un il est venu et lui a donné une bonne bouffée d'oxygène, et grâce à ça il s'est repris, et après il continue à vivre pendant 50 ans. Cette personne aura le sentiment qu'il lui a donné toute la vie. Chaque fois qu'il va le voir, il va dire « Ah, tu m'as donné la vie, si tu n'étais pas là, je serais mort. Grâce à toi, je vis. » Eh bien, selon le même principe, il faut comprendre et réaliser que ceux qui m'ont permis de connaître la Torah, je leur dois tout parce qu'ils m'ont changé toute mon éternité en fait. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Sahara Koltou, c'est là.